Du coup, rebonjour. On va essayer de régler les soucis. J'ai pas enregistré la première partie, du coup, j'espère que j'avais rien dit de trop important. Ça marche pas. Oh my god. Et vous êtes beaucoup, hein? Et je ne t'entends toujours pas. Oh, je vais péter un câble. En fait, je sais pas si t'as des écouteurs ou quoi. Sinon, essaye de redémarrer ton tel. J'ai une question, vas-y, pose-la en commentaire, sinon. Et du coup, pour redire, pour la fatigue, faites des siestes. Voilà. Et posez vos questions en boîte à questions. Bon, on a perdu Mathéo. Je veux pas commencer sans lui, mais en même temps, je vais continuer un petit peu en attendant qu'il arrive. Les fournitures, j'attends parce on va vous montrer nos fournitures. Il y en a qui sont en internat. Et moi, par exemple, j'étais en appart. Mathéo, il est aussi en appart. Et en vrai, ça change pas beaucoup de quand tu es chez toi. À part que bah, tu dois gérer ton ménage et tout. Mais si tu t'organises bien et que genre, tu fais en sorte de dire, allez, tel jour, je fais mon ménage. Je commence pas à laisser l'appart dégueulasse, tel jour je range ça et tous les jours j'en fais un peu de rangement, ça sera pas le bordel. Après les repas, ça, il faut faire les courses aussi, à part si tu rentres le week-end chez toi. Mais en vrai, ça se fait bien, genre, faut pas stresser sur ça. Moi j'étais grave stressée sur le fait de vivre toute seule. Je m'étais dit, mais comment je vais faire? Genre, j'avais trop peur, je me suis dit, il y a des monstres qui vont venir la nuit, bref. En fait, ça fait rien du tout, vous vous en doutez bien. Je pense que Mathéo a redémarré son tel. J'ai vraiment dit des mots sous la nuit, je suis morte. Par contre, on est d'accord que les livres sont incompréhensibles. Les livres de français, bah moi perso, je les ai lus et cette année, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les livres. Donc, plus que l'année dernière, donc je trouve que ça va. Force à vous tous, gros soutien de la part de ceux qui sont en école. C'est super gentil, ouais, il faut pas se décourager. Bon, on va seulement être à la rentrée, mais c'est pas pour autant. Faut bien commencer l'année, c'est super important d'être motivé. Prendre des bonnes habitudes dès le début, surtout après le confinement où on avait une vie complètement déréglée tous. Donc voilà. T'es trop belle bronzée, merci. Il y a des livres à lire, bah oui. Mais en vrai, Nietzsche, je pensais qu'il serait plus gros que ça, et non, en fait, ça va. Enfin, il n'y a que des parties à lire et tout. Mais genre, moi, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça trop dur, enfin, ça va quoi. J'avais moins aimé ceux de l'année dernière. Je sais pas qui est cette personne. Nietzsche va être tendu, il faut le background des philosophes classiques dont il fait la critique. C'est sûr que pour ça, oui, mais bon, nos profs vont nous préparer comme il se doit. Et ça va bien se passer, il faut pas stresser. Allez tous suivre bcpst.agro, c'est un très bon compte. Bon, du coup, là, vu qu'on était en train de parler des livres, il y en a beaucoup qui se demandent si c'est nécessaire de les lire ou si, genre, juste apprendre des citations et lire des résumés, ça suffit. Moi, je vous conseille de les lire. Après, je connais des gens qui ne l'ont pas lu et qui ont des super notes au concours. Mais quand tu lis le livre, tu seras plus apte à en parler en détail et surtout de comprendre après ce que le prof explique. Après, ça dépend vraiment des gens et voilà. Donc, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous lisez les livres ou pas. Mais voilà. Et moi, en français, j'avais un livre, je ne l'ai pas là, il est à mon appart, mais c'était. Un livre bleu et orange, je sais même pas son titre, et en gros il résumait tout. Et ce qui était trop bien, c'est qu'à la fin il y avait des citations. Et c'était trop pratique pour les DS et tout, genre je pouvais les apprendre direct. Ensuite, il est plus simple et plus simple pour se souvenir des cours. Vous avez parlé d'un livre, je crois. Mais j'ai pas vu lequel. Vous parlez de Duno. Vous dites Duno ou Dunode? Voilà, c'est un débat que j'ai avec des amis. On peut aussi parler, pour commencer la rentrée, c'est des habitudes à prendre dès le début qui sont importantes. Néanmoins, le rythme de sommeil, parce que pendant les vacances, on est tous décalés de ouf. Donc, c'est important de se recaler dès le début. Et c'est pas évident. Avec les soirées et tout, c'est pas évident. Ça s'est passé comment ta BCPST? Bah, je suis encore là, je passe en deuxième année. La première année, ça s'est bien passé malgré le confinement. Est-ce qu'on Mathéo, vas-y, m'entend? parle. Dis-moi que tu m'entends. On t'entend. Oh putain. Quelle victoire! Oh Et là le bus là. Oh. Bon, bref, reprenons nos esprits. Mathéo, j'étais en train de parler de ma BCPST, mais avant ça, présente-toi.
Bah, moi, c'est Mathéo. J'ai fait une première MP à tiers. Et maintenant, je fais une deuxième MP à tiers. Et voilà, donc je rentre en 5,5. Et puis, bah, c'est tout. Avant-centre, ouais, c'est 5,5. Avant-centre, FC 5,5, exactement. Donc voilà, et du coup, il y en a qui t'avaient reconnu dans les commentaires qui ont dit: Ah, mais il n'est pas à tierce. Donc, si, si, Je suis à tiers, à Marseille. c'est bien lui. Il t'avait Mathéo. reconnu malgré les Bah, écoute, lunettes. Oussama, go 5,5. Alors, go IRL à la rentrée. C'est parti. Bon, du Et coup, je finis la petite Françoise, histoire. vas-y. Et après, on continue sur les questions. Du coup, je disais, ma BCBC, c'est ma première année, s'est bien passée malgré le confinement qui était plus que périlleux parce que, bah, il faut se motiver. Mais en vrai, enfin, on a eu un bon suivi de la part des profs, donc ça va, au calme. Et du coup, là, je rentre en deuxième année et bah, on va essayer de bien réussir. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, pendant que tu étais en train de rallumer ton téléphone, j'ai parlé de la fatigue un peu, des livres de français. Et qu'est-ce que j'ai parlé d'autre de la vie en appartement? Et donc ça, comme tu es en appart aussi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ta vie en appartement? Est-ce que tu as trouvé dur de vivre tout seul? Bah, non, moi je trouvais que c'était bien parce que justement, il n'y a pas les, par exemple, je sais que mes parents, genre, ils mangent à n'importe quelle heure, tu vois. Genre, des fois, on bouffe à 23h, tu vois. Et du coup, le fait de pouvoir manger à l'heure que je voulais, bah, c'était plus pratique pour la prépa Je que suis d'avoir mes tombée. parents qui me font manger à minuit. Pardon. T'inquiète. Donc, au final, je trouvais que c'était pas mal. Mais en même temps, il faut se chauffer à se faire à manger et autre chose que des pâtes tous les soirs. Donc, disons que si tu arrives à te motiver à faire les choses bien, c'est nickel. Sinon, c'est un peu, bah voilà. Faut arriver Oui, à se c'est motiver à se faire fait. des choses bonnes, à manger le soir. Ouais, voilà, c'est Et à ça. pas se sentir seul surtout. Et ce qui est bien, c'est que moi, dans mon immeuble, on est 14 prépas. Donc, j'ai que des voisins qui sont prépas. Dans ma classe, certains. Et c'est pratique, quand même. Moi, mes Et voisins, non, ils ont Marius des ne vient pas. chiens. C'est tout ce que je sais d'eux, mais c'est sympa dans l'ascenseur, voilà. Non, mais en vrai, ouais. Il faut penser à se faire bien à manger parce que c'est important de manger équilibré, mais après, enfin, ça coule de source, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la vie en appartement. Et ton appartement, il a combien de temps de ton lycée? 50 secondes. Ça, c'est Tranquille. incroyable. Vraiment, le Ah, réveil à vraiment. 7h45 quand je suis fatigué, c'est magnifique. Bah, moi, il est à 3 minutes, on va dire, en gros. C'est super près aussi. Et c'est pratique le matin, je vous avoue. J'ai pris 10 kilos en spé. Est-ce qu'on entend toquer ou pas? Ouais. C'est mon voisin, je vais l'ouvrir, il est en de CS, soit un peu. Vas-y, ouvre-lui. Du coup, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait 10 kilos comme question. On en avait parlé en story. Il y a plein de monde sur la chat. D'accord. Attends, viens. Mathéo, Non, ton non, micro. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu vois, tu fais beaucoup, tu fesses. Ouais. Non, c'est bon. Non, je Du coup, je disais, soit Ah, bonjour. vous rigolez? Ça va pas passer. Ouais. Mathéo, tu nous donnes un petit coup de gueule. Ouais, l'équipe, on est en live là? Salut, ça va? Mais non, tu pars. Pourquoi tu m'as vu casse là? Il y a combien de... Bon, Hélène, tu vises quelle école? J'aimerais bien veto, mais c'est dur, donc bah, j'aime bien Monsieur Agro, donc on verra, hein. Inch'Allah, comme on dit. Et du coup, en attendant que Mathéo revienne et que ses voisins le laissent tranquille, je disais, il y en a qui ont pris plein de poids en prépa, genre 10 kilos, il y en a qui perdent du poids, c'est super aléatoire, il y en a qui font des yo-yo. Et après, enfin, il faut essayer de garder un poids quand même stable, c'est important. Pas arrêter de manger, pas non plus manger n'importe quoi, parce que voilà, mais le cerveau, il faut l'alimenter en sucre. Donc, manger du sucre, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en attendant? Nos organisations, bah, ce que je peux faire. Ah, bah, il revient. Comme ça, on va pouvoir parler des heures. Il me saoule, il fait que des allers-retours, moi, Théo. Les pronostics des TIPE, bah, moi, je pense qu'ils auront lieu. C'est bon? Je suis désolé, c'est mon voisin, c'est le fils de mon proprio. Du coup, j'ai pas trop le choix en fait. C'est vrai. Je me suis laissé faire. Non, mais ouais, si tu veux garder la machine à laver, fais gaffe. C'est ça. Et en plus, il est en ECS, donc faut pas les. Ah, il y a Nicolas, qu'on a interviewé la semaine dernière. Salut Nicolas. Bon, bah, du coup, est-ce qu'on peut passer sur nos organisations? Je te propose d'expliquer un peu comment tu t'organises pour une journée de prépa. Bah, c'est un peu bizarre, parce que en gros, moi, ce que je fais, c'est que. Enfin, en tout cas, en 3,5, ce que je faisais, mon prof, il donne des polis où il y a tout le cours dedans et les exos. Et je prenais mon poli, j'arrivais en cours, je l'avais imprimé et je notais sur le bord les trucs un peu compliqués dont il fallait que je me souvienne. Et après, à la maison, je me débrouillais pour les retrouver, genre les démos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une démo de maths, par exemple, je vais noter un petit peu, là, il y a un truc compliqué. Et à la maison, je vais me débrouiller. Donc, c'est un peu ce que je faisais. Et je faisais des exos, plein, sur Internet, BibMath. BibMath, c'est trop bien. Et voilà.
C'est tout. Sympa comme organisation. Ce qui est bien, c'est totalement différent de la mienne. Moi, en termes de cours, bah, nous, on écrit tout à la main et j'écris vraiment tout ce que les profs disent. Genre, même dans la marge, enfin, genre tout, tout, tout. Et j'essaye de faire des trucs propres parce que sinon, j'arrive pas à prendre un cours sale. Voilà. Je suis super maniaque sur ça. Et le soir, bah, j'essaye de tout réapprendre au fur et à mesure parce que sinon, après, j'ai trop de retard. Et voilà. Et du coup, je pense qu'on peut parler de nos fournitures. Parce Ah que ça, oui, c'est ce que tout le monde yes. attend quand même, les fournitures. Du coup, vas-y, dis-nous un petit peu tes Bah, tips. beaucoup de feuilles. Mon prof de maths, il adore les feuilles comme ça. C'est obligé. Il veut que ça. Genre, sur lui rend un DS sur une feuille qui n'est pas comme ça, il met moins 2 instantanément. Et des fois, il arrive et il les distribue. Et je ne comprends pas, parce que moi, j'ai des feuilles doubles tout à fait normales. Et du coup, je dois acheter ça maintenant. Ça coûte 6 euros les 300. C'est insupportable. Sinon, j'ai un stock de 10, 4 couleurs. Et c'est à peu près tout en fait. Hein. Bah, des quatre couleurs, des styles, des feuilles, c'est tout ce qu'il faut, il n'en faut pas plus. Tu passes du papier, voilà. Il y a Roi Péliro qui dit du papier, il faut plein de papier. Et c'est tout, je trouve. Ouais. Non mais c'est vrai parce que genre à part moi perso en maths j'ai des cahiers pour faire les exos et sinon j'ai des classeurs pour parce que les cours sont en poly. Bio j'ai tout on a poly et cours du coup j'ai des gros classeurs archives. Bah d'ailleurs si vous avez vu la story je crois que c'est hier j'ai mis tous mes classeurs en photo et physique pareil classeurs mais tout sur feuille genre vraiment achetez plein de feuilles dès le début de l'année parce qu'elles vont vous servir et des classeurs archives voilà et puis des surligneurs de toutes les couleurs. Ah oui, ça c'est. Ouais, c'est la vie, genre pour les courses, après c'est plus Ah, et dur. pour ceux qui rentrent en MPSI, achetez des BIC comme ça, les points 88. C'est hyper important. Je pense qu'au BCPST aussi, j'imagine. Ouais, voilà, sans doute ta collection de 36. Bon, il n'y en a que 3. Ouais, Mais ça, il attends, le faut vraiment pour la science de l'ingénieur. Et Marie, pas de blanco pour les concours, c'est vrai. je vais vous montrer un Donc, truc. entraînez-vous à faire ça. Regarde, j'ai 10 000 pots avec 10 000 crayons. Et encore, ils sont pas Ah tous ouais. là. Donc, voilà. Je ne suis pas en manque de crayons, je pense. C'est pour ça des beaux schémas. Hein, c'est excuse. Donc, en vrai, tous les trucs stabilo, c'est trop bien. Genre, tous les surligneurs, les crayons stabilo, c'est trop bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi, j'utilise une ardoise. La vie. Genre, vraiment. Petite ardoise. Ah ouais, Magnifique. nous on en avait une aussi. Nous c'était obligatoire, c'est dans les fournitures, genre. Genre le prof de Ah maths, il a non? dit vous achetez une ardoise. Non, nous, non. Mais genre, je sais pas, j'en ai acheté une parce que bah, je trouvais ça cool de faire des schémas sur ardoise. J'en avais marre de tuer des arbres. Du coup, voilà. J'ai Et acheté mon juste, ardoise. il y en a plusieurs qui demandent pour le blanco pour les concours. Il y a des concours qui disent c'est pas obligé. Enfin, il y a des concours qui disent c'est interdit, d'autres qui disent comme vous voulez. Le mieux c'est de faire sans, parce qu'il y a toujours un concours qui ne vaut pas. Donc apprenez à faire sans blanco. Ouais, c'est. Rayer proprement. Voilà, faut apprendre dès maintenant. C'est dur, À ne hein, même pas moi faire de je. faute, en fait, parce que c'est tout. Sinon, voilà, à ne pas faire de On ne faute, serait pas fait parfait, c'est genre. mieux. Et pareil, pas de friction non plus. Ouais, non, ça on Je crois oublie parce que si qu'il t'as pas, ça va se déchirer le jour du concours, tu vas pleurer et ça va être la merde. y a. Ouais. On connaît les bails. Je dis ça, je pleure. Ah, mais arrêtez de tomber, c'est pas drôle. Hein. Bon, je dis ça, mais j'ai jamais passé les concours, sinon c'est pas grave. T'inquiète. Est-ce qu'on peut peut-être parler de comment aborder la rentrée, que ça soit en sup qu'en spé? Alors, je te propose de parler de la rentrée en spé et ensuite je ferai la rentrée en sup. Vu que Bah, c'est plus fais la rentrée proche. ensuite d'abord, du coup, chronologique. Ok, ça marche, on est chronologique. Bah, en vrai, moi, avant ma rentrée en sup, on avait un peu de devoirs, genre on avait des exos de maths à faire, des chapitres de bio à réviser et tout. Et moi, j'étais pas en spé SVT en terminale et j'ai dû apprendre le programme, mais je l'ai pas fait. Ça m'a servi à rien pendant l'année, voilà. Et en vrai, ça sert à rien de se tuer à la tâche avant la rentrée en prépa, parce que de toute façon, vous allez revoir plein de trucs en prépa. Et surtout, vous allez apprendre à rédiger et ça sert à rien de réviser si vous n'avez pas la bonne rédaction, quoi. Du coup, voilà, je vous conseille de vous reposer, mais quand même de se remettre un peu au boulot parce que bah, on déconne pas, quoi. Vous voyez, la prépa, ça commence vite. Et faut pas. Enfin, il faut genre vraiment, dès le début, prendre un bon rythme de sommeil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Genre, commencez pas à reprendre, genre, comme quand vous étiez en soirée, un matéo à se coucher à 3 h et à se lever à 8 h, sinon vous n'allez jamais suivre. En prépa, même si on a beaucoup de travail, c'est important de dormir. Vraiment, genre de dormir et de boire de l'eau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Et pour ceux pour la rentrée en sup, ceux qui ont pas de ceux qui genre ont peur, enfin genre qui oui. veulent s'exercer, allez sur MTSI 1 2 3 tiers. C'est le Pour site pour les la. MPS. Ouais, mais pour les PCSI aussi, c'est valable en maths en soi, enfin c'est la même chose quoi. Genre c'est des exercices pour rentrer en prépa. Donc c'est pour les MPSI et PCSI, vous tapez MPSI 1 2 3 tiers et vous trouverez des trucs sympas.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut revoir ces tables de multiplication. Franchement, moi, je te Oui. conseille de les connaître quand même parce que c'est un peu la base. Et voilà, donc je pense maintenant on peut parler un peu de l'aspect. Bah pour rentrer en SP, bah moi je recommande de bien connaître ce programme de sup. Hein. Bah du coup, c'est un peu tard, alors on leur dit ça à une semaine de la rentrée comme s'ils allaient faire des miracles, Désolé, les copains. mais du coup, bien connaître sa sup. Regardez ce que le premier chapitre que vous ferez de l'année pour commencer à le préparer. Je sais que nous, c'est de l'analyse, donc faites un peu d'analyse. Il y a quoi d'autre? Ouais, c'est ça, bah préparez-vous, soyez reposés. Faut s'amuser pendant les vacances, c'est important. Parce qu'après, vous arrivez frustré en mode je me suis pas amusé des vacances, c'est pas bon. Faites bien la folle et ensuite ce sera parfait. Et du coup, ouais, donc réviser la sup et voilà. Rien de Ouais. plus. Hein. Bah moi, perso, j'ai révisé ma sup pendant les vacances et Et je à... rentre en SP. Et voilà, ça va bien se passer. On est serein. Non, pas du tout. Bref. Et il y en a qui demandent ce qu'il faut comme calculatrice. Et ben, t'es n'importe, en fait, on s'en fout. Vraiment, Moi. TI 82, 83, même la Casio du collège, ça la fera pas. Moi, j'ai Vraiment, c'est nickel. celle-là. Casio. Voilà. Ça fait Elle est tarpa l'affaire. nulle, mais Ça, elle fait j'aime bien. travailler. Ouais. Genre, vraiment, je m'en suis peut-être servi que en physique pour faire des régressions linéaires, limite. Voilà. Voilà, ça sert qu'à ça. Ça sert quoi en physique? Et ouais, ça commence fort la physique de MPSI. Moi, ça m'a fait bizarre un peu. C'est pas la même, Solène. Ça va aller, ne stressez pas les amis. Oui. Vous C'est vrai allez que gérer votre c'était pas super présentation. rassurant, là. J'essaye de sauver les On meubles. peut pas intégrer Central Post-Bac, Max. Je te le dis, ça serait pas mal, hein, mais non. Mais moi, j'étais choquée quand j'ai appris que tu pouvais rentrer en école après la première année de prépa. Genre, tu peux passer les Ouais. concours. J'étais choquée. Et qu'il y a des gens À qui le Ulm, font et qui arrivent en plus. en info, à Ulm, cette année, il y en a trois qui les ont passé post-bac, les concours. Ouais. Post-sup. Genre, ils ont fait une sup, ils ont passé Ulm info, ils l'ont eu. Ouais, Mais vraiment, fais ce que tu veux. c'est incroyable. Il y aura une rediffusion, oui, bien sûr, sur IGTV. Et je ne sais pas s'il sera sur YouTube, celui-là, parce qu'on est en vertical. Mais on verra. On vous dira ça. En tout cas, il sera sur IGTV. Et on parlait du coup d'aborder la prépa, mais est-ce qu'on peut aussi dire les choses importantes à faire pour bien démarrer, genre, dans son année, quoi? Moi, il y a un prof de physique dans mon lycée qui dit qu'il faut commencer à fond et accélérer petit à petit. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est Monsieur Bros qui dit ça. Il dit qu'il faut commencer à fond et accélérer petit à petit. Non, mais C'est bah, génial. ça dé... pour bien commencer la suite, pour faire quoi pour bien commencer la suite, j'en sais rien, moi. Pas être Bah, en fatigué. vrai, il faut pas. Enfin, c'est important de stresser dans le sens où, de toute façon, tu vas forcément stresser avant de rentrer en prépa, je pense, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Mais il faut aussi relativiser, se dire que ça va être 2 ans de ta vie, donc 2 ou 3 ans de ta vie, pardon, Mathéo, que tu vas te souvenir toute ta vie. Et au final, qui vont permettre d'intégrer quelque chose que tu veux faire. Et donc, il faut le penser comme ça. Et aussi, toute l'année, ne pensez pas au passage en deuxième année, mais au concours. Voilà. C'était ma petite réflexion. Parce que moi, je pensais pas dans le bon sens au début. Maintenant, j'ai changé mes sens de pensée. Du coup, voilà. Le live, il va complètement en couille. Samedi. Les Ah. commentaires sont drôles, surtout, je trouve. Ouais, et puis en plus, ça a du monde. Genre. Ah là là, je suis Ouais. stressée là. Dans une semaine, je revois Bross et vous, les cucs. Bros, c'est un prof de tiers de physique, Non, bah celui que j'ai désolé. cité tout à l'heure. Ok, d'accord. S'organiser en pas du temps, faire les fiches du cours du jour même. Ouais, ça c'est vrai. Genre, après, ça dépend la mémoire que vous avez, si vous avez une mémoire genre visuelle, auditive ou quoi. Mais moi, par exemple, j'ai une mémoire kinesthésique, c'est-à-dire j'ai besoin d'écrire. Et du coup, je fais plein de fiches. Genre, j'en ai encore fait ce matin. Des petites fiches, et je les plastifie comme ça, en plus, elles ne s'abîment pas au bout des 2 ans. Parce que bon. Et c'est grave bénéf. Voilà. Vous travaillez combien d'heures par soir en moyenne? Vas-y. Je sais pas, bah en sup, ça, en SP, même en SP, ça dépendait. Genre, quand il y avait colle, bah, beaucoup plus. Mais je sais pas, 2-3 heures en SP, mais là, on va essayer de faire plus. Hein. Beaucoup plus, même. Moi, on m'avait dit, donc le premier jour de la rentrée, ma prof principale, donc ma prof de bio, elle a dit, c'est 3 heures de travail par soir et 8 heures le week-end. Après, par exemple, moi, le mercredi, après-midi, j'avais pas cours, j'avais que colle. Et quand j'avais des colles en début d'après-midi, je faisais beaucoup plus que 3 heures. Alors que quand je terminais à 19 heures, bah, je faisais un peu moins de 3 heures. Donc, c'était un peu aléatoire, quoi. Mais en gros, on part sur 2-3 heures et un peu plus le week-end, quand même. Voilà. Faites des kits comme Dupont et Dupont, les PSK. Oula, je ne comprends rien. Ces deux mecs, ces deux sup à moi, ils ont fait un bouquin sur toute leur année de sub, genre. Ils ont fait un petit livre. Incroyable. Et non, mais en fait, on vous a pas dit, mais on lance une chaîne YouTube et on va se vlogger pendant l'année. Donc, venez vous abonner à YouTube parce qu'il y aura des pépites.
C'était j'ai descendu. Bien sûr, personne n'a les couilles de tout ça. Continuons. Comment réviser un DS? Comment réviser un DS? Bah, moi, je recommande, il y a genre plusieurs étapes. C'est attends, là, il y a moyen de marquer votre appareil surchauffe, les données mobiles, l'appareil photo, le GPS sont restreints, ça se trouve, je vais disparaître. Ouais, si tu disparais, on t'attendra avec plaisir. C'est que mon téléphone aura eu trop chaud. Mais du coup, pour réviser un DS, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut digérer le cours, donc il faut lire le cours, le comprendre. En maths, en tout cas, je parle. Je pense que ça se voit un peu partout. Ensuite, il faut faire des petits exos d'applications, pas trop durs. Genre, des petits exos, ils sont là, quoi. Ensuite, des petits exos un peu plus durs. Et c'est pour ça que, par exemple, BibMath, c'est bien, parce qu'il y a des exos une étoile, des exos deux étoiles, des exos cinq étoiles, et ça permet de faire une petite progression. Donc, il faut partir de exos tout facile pour finir à exos super durs. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois la révision d'un DS. Ou voilà, faire des DS, on prépare un DS. Ça, c'est nuance P, ça. Ensuite. Sur la semaine, tu fais comment, par exemple, en gérant école, à partir de quand tu commences à réviser ton DS, même si, bon, c'est au fur et à mesure. Mais bah, genre, pourquoi tu... En fait, je m'en fous un peu de quand c'est le DS, genre en mode je fais des exos quoi qu'il arrive, et puis le jour où il y a le DS, c'est... Non, mais c'est vrai, je sais que par exemple, il y a un prof de MPSI 3 à tiers, il prévient pas qu'il y a DS. Genre, t'arrives un jour, il y a marqué rendez-vous salle de DS maintenant, tu vois, et tu y vas. Ouais, moi j'ai eu d'acli, Nicolas. Et du coup, genre, tu reçois un message, on te dit ta DS va en salle DS1, DS2, 5 minutes avant. Et parce que normalement, tu es censé avoir travaillé et être prêt quoi qu'il arrive. Oui, c'est clair. Bah, nous, déjà, on a DS tous les samedis matin. Et moi perso, le week-end, je travaille plutôt l'école. Et une fois que l'école sont terminées, je me mets à réviser le DS, mais sachant que je l'ai déjà révisé en amont, genre au fur et à mesure. Donc le cours, il est déjà su, et après, c'est vraiment à refaire les exos, quoi. Mais c'est sûr que même si j'école par exemple le jeudi, le mercredi au plus tard, je commence à refaire des exos et tout. Et avant, je suis plutôt sur l'école parce qu'en plus, quand c'est pas les mêmes matières, bah si c'est la même matière, genre si j'ai DS de maths et que j'école de maths, bah là, c'est tout bénef. Mais si j'ai, par exemple, DS de bio, école de physique et maths, c'est pas trop les mêmes matières. Mais bon, de toute façon, la bio, ça se travaille pas la veille au soir, quoi. Donc, du coup, il faut travailler au fur et à mesure, comme ça, quand t'as DS, t'auras juste à revoir et à refaire des exos, quoi. Et à faire des sujets. Ouais, voilà. Si tu travailles régulièrement, t'es pris le jour du DS, normalement. Oh là, mais juste, si vous regardez la rediffusion, ils vont être complètement... Non, en plus, ça fait mal aux oreilles, quoi. Du coup, nous, notre prof de maths, il nous a envoyé les DS de l'année d'avant, comme ça on pouvait s'entraîner. Donc, si vous avez des DS de l'année d'avant, quoi, faites-les. C'est un bon entraînement. Voilà. Et ou alors, demandez-le à vos spé. Exactement. On peut parler aussi des livres qui sont cool, donc pour toi, parce que vous nous posez la question 10 000 fois. Faudrait qu'on fasse une story structurée. Là, j'en ai mis une à la une ce matin, ce soir plutôt. Donc, dis-nous quels livres tu utilises et même si tu les as pas, ce que tu recommandes. Ils sont juste là. Je vais vous les présenter. Cassini Analyse 2. Cassini Analyse 3. Cassini Analyse 4. Cassini Algèbre 3. Cassini 1, tout court. Et Cassini 3. Donc, ça, c'est des oraux de maths. C'est des bouquins d'Euro XENS. Donc, ils sont nickel. Enfin, en gros, je les ai pris pour la 5,5, mais ça peut le faire en 3,5. Et en gros, voilà, c'est que des Euro XENS corrigés. Et les corrections sont nickel. Genre, c'est propre. C'est compréhensible. C'est intéressant. Enfin, genre, ils prennent que des exos qui ont du sens et qui servent à quelque chose. Donc, c'est vraiment cool. Par contre, il n'y a pas de cours. C'est vraiment que du. Oui, c'est que un truc de MP, Thibaut. Mais c'est, voilà, c'est que des Euro XENS corrigés. Il y en a, genre, voilà. Si je prends le 3, voilà, le thème, c'est quoi? C'est l'analyse. Bah, il y a. En tout, 400 pages d'exo, d'analyse de maths. Mais ils sont plutôt compliqués. Enfin, c'est que des euros XENS. Donc voilà, comme le dit Roi Péliro, il faut être plutôt motivé pour se les faire en 3,5. Après, sinon, il y a les Gourdons. Donc là, j'ai Gourdon Algèbre, ainsi que ici, Gourdon Analyse. Et c'est un peu le même niveau, en gros. C'est aussi des trucs niveau plutôt XENS ou mine, à la limite. Et c'est pareil, là, par contre, il y a du cours en plus. Et ce qui est assez... Analyse, il vient de le refaire il y a 4 mois, mais la version que j'ai date de l'ancien programme. Et du coup, c'est bien dans le sens où du coup, tu as des trucs en plus que genre, comment dire, que tu peux garder dans un coin de ta tête et qui peuvent te servir. Mais il ne faut pas se tromper en pensant que c'est du programme de cette année parce que ça peut être en difficulté. Mais voilà, ils sont vraiment bien. Mais je trouve que ceux-là, ils sont moins sympathiques que les Cassini. Je recommande vraiment les Cassini. Et après, j'ai pas de livre de physique, mais je sais que les livres de Monsieur Garing sont très bien. Les 1001 questions pour la physique, ils sont top. Il y a aussi les 1001 questions pour la chimie. Et il y en a pour la sup et pour la spé. Donc ceux-là, je sais qu'ils sont bien, mais enfin, je connais des gens qui les ont, ils sont tous satisfaits. Et ensuite, j'ai des bouquins pour l'info. En info, il y en a qu'un seul qui est genre abordable, c'est celui-là.
C'est Options Informatiques de Roger Mansuy. Grande star Roger Mansuy. Incroyable ce monsieur. Donc voilà, je le recommande. Et après, j'ai aussi celui-là. Mais lui, il est un peu plus sport. C'est ENS Agrégation. Donc c'est un monde assez différent du mien. Enfin, c'est vraiment très dur. Donc c'est plus à lire qu'à pratiquer. Donc voilà, les Cassini, en info, le Mansuy. En français, Matlord, c'est pas mal. Et les 20 questions, non, les 20 dissertations corrigées et les Cassini, du coup. Voilà. Ok, merci pour ton intervention. Moi, du coup, je vais vous parler plutôt des livres de BCPST. Genre, moi, je suis une fan des Duno ou Dunod. Tu dis comment, toi? Duno ou Dunod? Moi, je dis du node, mais vraiment, il n'y a Ouais, aucune pardon, raison que j'ai raison. alors, je C'est vous disais, en vraiment. fait. Je sais pas ce que vous dites, mais voilà. Moi, celui qui m'a le plus servi pendant toute ma première année, c'est celui-là. Parce que franchement, il y a tout le programme et les schémas, ils sont grave trop beaux. Voilà, je kiffe. Et franchement, il m'a bien servi. J'en ai pris soin parce que je veux le revendre parce que ça coûte grave cher. Voilà. Et sinon, je n'ai pas acheté ceux de chimie, biologie, chimie et tout, mais je sais qu'ils sont bien. Donc l'année prochaine, je pense investir même pour le biologie BCPST2. Et moi, ma prof, il y avait quelqu'un en commentaire qui demandait d'ailleurs si nos livres, c'était les profs qui voulaient qu'on les prenne ou si c'était nous. Tu as des profs, tu vois, qui vont te demander, genre, ils vont te conseiller fortement d'acheter tel livre. Genre, ma prof, elle m'a dit d'acheter par exemple le Memento de biologie, donc je vais l'acheter. Mais après, par exemple, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Moi, en j'intègre, j'ai celui-là pour l'info. Et franchement, il est bien parce qu'il y a des exos, comment dire, qui reviennent tout le temps. Donc c'est grave bien à faire avant les DS. Et après, en autre livre de bio qui n'a rien à voir avec le programme, moi j'ai les milliards de cellules, je sais pas si vous connaissez. C'est genre des illustrations, pardon, genre trop belles, avec des bandes dessinées, et il y a grave des trucs en rapport avec le programme. Et ça fait des schémas. Bon, c'est un peu dur à refaire en DS, mais même pour lire, parce que en gros, il y a. Genre, par exemple, là, tu as le réticulum endoplasmique et tu as un texte avec tout ce qui explique et les dessins qui vont avec. Et franchement, ça permet de compléter le cours. Et je me sers aussi beaucoup de celui-là parce que c'est grave ludique. Et voilà. Mais si je dois vous conseiller des trucs, c'est vraiment les Dunod. Ils sont trop bien. Voilà pour les livres en BCPST. Il y a J'attends quelqu'un tes qui suggestions. demandait Qui demandait quoi? comment se passait le sport. Bah, il n'y a pas en fait. Enfin, genre, nous, il y a une salle et on peut y aller si on veut et on fait ce qu'on veut. Je sais qu'en Henri IV, ils ont un créneau, mais pareil, ils y vont pas, ils y vont, c'est pareil. Donc tu fais ce que Ah, tu mais veux en fait. c'est Les cours pas de comme ça du sport. tout, hein. Genre, nous, on a 2 heures en sup, c'est 2 heures le vendredi de 15 à 17, c'est obligatoire. Oh. Et si tu vas pas, t'as des problèmes. Genre, les profs commencent à appeler et tout. Genre, si tu loupes une fois, ça va, mais même une fois, ça les fait bader, quoi. Et du coup, il y a tout le monde qui va en sport, il y a plein de trucs et tout. Moi, par exemple, j'ai fait du baseball, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais. Et en vrai, c'est du sport tranquille et on est là 2 heures et on fait plus se détendre avant les DS du samedi, du coup. Et ce qui était bien, c'est qu'à la fin de l'année, on faisait de la relaxation. Et en fait, on faisait pas du tout du sport, mais voilà. C'était cool, ça détendait avant les DS. Et voilà, mais nous, c'était obligatoire. C'était pas un créneau. Enfin, on avait vraiment un créneau et c'était obligatoire de. Du coup, là. Apparemment, toi, c'était pas du tout obligatoire et. Ah, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas marqué dans mon emploi du temps sport. Genre. Il y a juste marqué si vous voulez aller faire du sport, c'est ouvert tous les soirs de 6h à 20h. Et tu as été, j'espère. Mais non, vraiment pas. Ouais. Mais c'est Très peu. important en vrai de faire du sport quand même Oui, pendant la prépa. mais Genre, pas moi je sais. forcément au lycée. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est si vous faites une activité vraiment que vous faites depuis toujours. Moi je vois qu'en terminale, je faisais beaucoup de danse, je faisais plus de 10 heures de danse. Et c'est sûr que le sport au lycée, bah, il propose pas de danse, donc ça m'intéresse pas. Donc le samedi, bah, je vais dans mon école et là je fais du sport qui me plaît, qui me correspond. Donc c'est important de garder, genre, si je sais pas, vous faites de la natation. Du foot, je sais pas, du tennis, n'importe quoi, c'est vraiment important pour se défouler et genre garder un truc que tu avais avant quand même. Du coup, là. Les Ils ont sports, c'est. vrillé dans les commentaires là. Je sais pas si t'as vu, mais J'ai pas trop lu, non. ça part des résultats de RIC étudiant. Oui, ah si, ça, j'ai vu vite fait. D'ailleurs, ils ont pas respecté ça tellement. Mais Ouais. bon. Epita Mais supérieur voilà. Harvard. Nous ne prenons pas parti et nous ne nous moquons pas des autres personnes parce que voilà. Voilà, car nous sommes éthiques et responsables. Voilà, et nous sommes des adultes. Oui, au moins. Donc maintenant, en fait, je vais te poser une question qui va être seulement pour toi parce que en fait, moi, je rentre en CP en 3,5 et il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé comment faire pour gérer la 5,5. Bon, je sais que du coup, tu l'as pas encore fait, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui va changer dans ton mode de travail entre la première Bah, et comment tu voudrais évoluer? Et voilà comment ça va se passer, quoi. j'ai un grand papa 5 demi qui s'appelle Valentin qui est dans les commentaires depuis tout à l'heure et il m'a tout enseigné.
Non, mais en gros, la journée, bah, je vais avoir ce petit bouquin avec moi, mais je serai au fond de la salle et je le ferai tout seul. Voilà. C'est ça, en gros. Enfin, je vais faire, voilà, toute la journée, je ferai des TD, des exos de ce bouquin, des TD, des exos de ce bouquin. Le soir, et non, en fait, j'ai un bon emploi du temps. Le jeudi, je commence à midi et vendredi, je finis à midi. Du coup, je ferai des sujets le jeudi matin et le vendredi après-midi et le samedi, genre 3 par semaine. Et le soir, bah, encore des TD ou des morceaux de sujets ou des trucs comme ça. Et voilà. Donc, en gros, voilà, bah, travailler seul, en fait. La différence, c'est qu'en 3,5, je travaillais avec le prof parce que je découvrais. En 5,5, je connais. Donc, ce sera des maths seul la journée, le soir, la nuit, au week-end. Et est-ce que tu appréhendes de te retrouver dans une nouvelle promo où au final tu connais personne ou est-ce que tu Non, bah t'appréhendes non, parce que quand même? je les connais à peu près tous, justement. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, bah nickel alors. J'ai un groupe de colle depuis mai. Depuis Ah mai, je connais mon groupe de colle. Donc, c'est nickel. bah ça c'était les concours, t'étais vachement serein. Bah, Ça se voit, on le j'étais. sait, tu sais quand tu. Oui. Oui. Bah, de toute façon, la 5,5, ça permet d'avoir toujours mieux, normalement. Oui, normalement. Normalement. Touchons du bois, j'ai pas de bois autour de moi, merde. Voilà. Et donc pour la 5,5, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Mais voilà, après, enfin, genre, je pense que Allez-y. c'est propre à chacun, quoi. Oui. Et Oui, parce que voilà. je sais que Est-ce par que tu exemple as dans ma classe, il y en a qui suivaient tout le cours du prof, genre ils travaillaient pas seuls. Donc c'est vraiment comme on veut, quoi. Il y a même des profs qui Non, mais refusent qu'on toi. travaille seul. Ah ouais. Ça va se passer comment la cantoche avec les masques qu'on va grailler en plein. Mais en plein air, non, moi je pense, bah, en fait, il va y avoir les masques pour rentrer dans la cantine, prendre ton truc et tout. Mais bah, quand on va être assis à table, je pense qu'on va enlever les masques. Moi j'avais pensé à mon avis qu'ils fassent genre des tables séparées, mais genre moi dans ma cantine ça rentre pas et on est déjà trop pour le nombre de tables. Donc je sais pas. Par contre, j'ai vraiment une problématique, dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on va faire la photo de classe en groupe? Parce qu'on va prendre une photo Ouais. avec des masques. C'est ce que je me demandais aussi. Je sais pas. Genre. En vrai, moi je stresse vraiment d'avoir le masque toute la journée, j'ai peur de plus savoir respirer. Là. Non, je pense que tu sauras encore respirer. Il y a des gens qui l'ont toute la journée depuis des années et ils vont bien. Je suis Ouais, plutôt confiant. on verra bien. Pour postuler Et aux ouais, 5,5, on a le temps maintenant ou pas? tu peux encore. Je sais que moi, l'année dernière, il y a un mec qui s'est pointé le 1er septembre. Il n'avait pas prévenu. Ils ont dit, bah, écoute, bienvenue, mec. Et ils l'ont accepté, genre. Genre, nous, le 1er septembre, il y a un gars qui est venu. Ils ont dit nickel. Donc, tu peux encore Il y a cuber. quelqu'un qui dit les TD en masse, ça va se passer comment? Bah, les TD, mais même l'école. Genre, il va L'école, falloir ça va être drôle. l'école de bio, va falloir articuler de ouf. Putain. Mais en vrai, ça va se passer, hein. Ça sera comme ça pour tout le monde et on n'a pas le choix. Donc, ça ne va pas changer grand-chose en soi, à part qu'il va falloir plus s'articuler. Hâte. Ah, super. Je suis ravie. Lavez-vous les mains à la place. Je sais pas pourquoi j'ai lu ça, pardon. Le masque en colle, quel bail. Ouais, ça va être un peu horrible. Nous, pour l'internat, c'est toujours pas si lourd. Mais ça, c'est chaud, par contre, les Énorme. masques. Airbnb toute l'année. Non, non, mais c'est chaud, genre, bah, si ton internat il rouvre pas, enfin, il y a plein de gens qui comptent sur l'internat qui n'ont rien d'autre et c'est chaud parfois de trouver un logement. Moi, c'est pour l'intégration aussi, je me demande trop comment on va s'organiser, genre. Moi, je pense à ceux qui vont intégrer cette année, surtout. Ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit. Attends, j'ai pas vu. Les TP dissection, avec les masques, ça va sentir mieux. Ouais, bon, c'est bon. De toute façon, si t'es en bio, tu pèches déjà des cailloux, alors t'es pas une odeur près. Hein. C'est vraiment Ah, c'est nécessaire de pire manger en les prépa. toilettes. Oui. Genre, vraiment, faites. Non, mais faites pas les cons. La première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Genre, non, non, mais vraiment, mangez, parce que prenez du sucre, parce que de un, on se rend pas compte, mais travailler, ça donne faim. De ouf. Et en plus, avec le stress, si vous avez tendance à fondre quand vous stressez, ça va être une horreur. Donc, mangez des Ah, moi, c'est mangos. l'inverse. Je deviens énorme quand je stresse. Yo-yo. C'est bon, je Vous vous portez parle. quoi comme chaussures en prépa? Alors, franchement, les Converse, c'est vraiment l'intemporel. Bleu, Suis bec. rouge, jaune, noir. Tu prends tout ce que tu trouves, t'achètes et tu mets tous les jours. Voilà. Crocs ou Havana. Bah non, mais quoi? Non, mais je suis désolée si t'es pas bien dans tes baskets. Genre, si t'es pas bien dans ton style, tu vas pas passer une bonne journée, tu vas pas bien travailler, tu vas rater ta vie. Si t'es pas Donc, moi, bien dans ton style. il faut prendre les choses au sérieux. Genre, on va en prépa, on fait les choses jusqu'au bout. Bon, allez, j'arrête parce que là, je commence à raconter de la merde. On va passer au point suivant. L'internat, on n'est pas interne, mais est-ce que tu pourrais nous parler d'internat? Ah bah ouais, je crois plus, je connais un peu. Nous, il y avait soit des chambres à deux, soit des chambres à un. Nous, c'était deux.
Ok. Après, il y avait des grandes salles de travail où tout le monde travaillait, et ça, c'était cool, parce que du coup, il y avait un peu genre une émulation, t'sais. Quand il y a 12 MP dans la même salle qui font des maths, bah, au final, tu progresses plus vite que si tu es seul dans ta chambre. Donc, ils disaient que les internes avaient des meilleurs résultats, justement, grâce à ça. Après, par contre, nous, le nôtre, il est pas ouf, parce qu'il ferme la journée. Genre, à 8h, tu peux plus rentrer, et tu peux rentrer que le soir à partir de 6h. Donc, tu peux pas rentrer taper ta meilleure sieste entre midi et 2. Ça, c'est dommage. Mais sinon, ouais, visiblement, les internes travaillent mieux. En fait, t'as pas le choix de travailler. J'ai envie de te dire, t'as plus que ça. Donc, c'est bien dans ce sens-là où ça te force à te concentrer, mais si t'es capable d'être autonome, avoir un appart, c'est mieux, je pense. Ouais, en vrai, moi, je ne me voyais pas être en internat parce que, en fait, j'adore être avec les gens, j'adore parler avec les gens et tout. Mais il y a des moments où, en fait, j'ai juste envie, c'est d'être toute seule, de travailler toute seule et de me reposer parce que je parle tellement toute la journée que le soir, je suis claquée, en fait. Et du coup, je ne me voyais pas, genre, le soir, être encore avec quelqu'un dans ma chambre et devoir faire la conv et tout. Du coup, j'ai dit Ouais. que je ne pouvais pas. Et voilà. Et sinon, nous, notre internat, les gens de la classe qui étaient en internat, ils étaient grave soudés entre eux, mais en même temps, les externes n'étaient pas du tout mis à part. Enfin, donc, il y avait grave eu, apparemment une bonne ambiance à l'internat. Après, ce qui est chiant, c'est que l'internat, il y a, genre, par exemple, nous, il ferme à 22h et 23h si tu as une dérogation. Et pour les soirées et tout, genre, l'intégration et tout, c'est pas pratique. Bon, après, t'es pas là pour faire des soirées, mais t'as compris, quoi. Nous, c'est 21h à la semaine. Oh putain, le seum. Oh là là. Et il y a quelqu'un qui a dit, ah, c'est toi la vieille admin qui mettait les stories avec les converses. Non, ce n'était pas moi. Non, j'étais même pas encore admin à cette époque-là. Je suis désolée de te décevoir, mais les admins aiment tous les converses apparemment. Et voilà, pour l'internat, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai trop d'affaires pour ma chambre d'internat, comment m'organiser pour ranger? Alors, gros, achète des caisses, mets-les sous ton lit, je sais pas, vire des affaires, prends que le nécessaire. Après, moi, mon internat était fermé. Enfin, moi, j'étais pas interne, mais l'internat de mon lycée était fermé le week-end. Donc, ils rentraient tous chez les parents, dans tous les cas. C'est pas très pratique. Je sais pas si toi, c'était ouvert le week-end. Ouvert le week-end, ouais. Ah, ça, c'est pratique quand même. Parce que nous, du coup, le week-end, fermé. Genre, samedi midi, tout le monde dégage. C'est pas pratique. Donc, dans ma classe, j'avais un mec, il habitait en Tunisie. Le week-end, il avait nulle part où aller. Il devait prendre Nous, on des a pareil Airbnb pour pour le les. week-end. Nous, on a un mec du Vietnam. Et bah, pendant les vacances, il est perdu. Et là, je vais où pendant 2 semaines? J'habite au Vietnam. Le billet d'avion, c'est 1 200 € aller-retour. Du coup, il squatte chez tout le monde. C'est n'importe quoi. Ouais, bah c'est Voilà. compliqué, hein, Petite la chambre d'internat. anecdote. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Ah oui, il y a quelqu'un qui a posé une question. Attends, pour les soirées, il suffit de trouver des potes avec un appart. Ouais, c'est pas con, j'ai passé mon année à accueillir des gens dans ma classe. Il n'y a jamais eu autant de monde dans mon appart de ma vie. Bref. Non, mais en vrai, genre la prochaine fois que des gens viennent chez moi, je vais leur faire payer, comme ça je vais faire un truc lucratif. Anyway, recommençons sur le sujet. Comment s'intégrer dans une classe? En début d'année. Que faire? Ben, je sais pas. Non, déjà, il y a la soirée d'inté. La soirée d'inté. Ah, allez à la soirée d'inté. Les gens qui vont pas à la Ah soirée d'inté, ils oui, sont fichés super S. important. Perso, tous Ouais. ceux qui vont pas à la soirée d'inté, ils étaient fichés S par toute la classe. Et du coup, ça fait le groupe des je suis pas allé à la soirée d'inté, mais ils étaient moins marrants que le groupe des je suis allé à la soirée d'inté. Donc, allez à la soirée d'inté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quitte à être fatigué le lendemain en cours, c'est pendant la semaine, ils ont fouté, c'est pas grave, c'est le début de C'est l'année. le début de l'année, ouais. Allez-y. En plus, tout le monde le Après, c'est sera, super donc c'est pas. important. Après, je pense que toi comme moi, on est des gens assez sociables, donc on n'a pas eu de mal à aller vers les gens et à se faire, on va dire, des amis. Mais pour les gens qui sont plus timides, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être un peu timides et à pas oser aller vers les gens, faut pas hésiter. Moi, j'avais grave l'impression que c'était tous des gens qui allaient grave travailler, grave méchants et tout. C'est pas du tout le cas. Genre, en prépa, c'est des gens humains comme vous et nous, quoi. Genre, Après, ça dépend de la prépa aussi. Ils sont pas pareils selon la oui, prépa. bien sûr. Genre, mais Je t'as pense que la rencontré soirée des d'inté à Henri IV, elle est moins marrante, tu vois, du coup. gens. Enfin, je sais pas si on a une d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens de Henri IV qui ont une soirée d'inté? Non, Manifestez-vous. je pense qu'il faut quand même une soirée d'inté, il faut pas dénigrer les prépas parisiens quand... Ah parisiennes oui, quand mais même. je veux dire, ils sont plus sérieux d'un coup que dans les petites prépas, je pense. Non, C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mais... intègrent mieux. Ouais, non, mais c'est tout, faut choisir son camp, l'intégration Voilà. ou l'intégration à la fin. Ouais, il y a Nicolas qui a dit de ne pas hésiter à travailler en groupe en début d'année. Et c'est vrai, moi je l'ai fait toute l'année. En fait, il faut trouver un duo, un trio ou un quatuor et vous Ouais, travaillez c'est tous ça. ensemble. Et c'est cool de travailler à plusieurs, on travaille mieux, on prend plus de Ouais, plaisir. exactement. C'est super Et important. Genre, voilà. moi, je vois, j'avais mon trinôme de colle avant chaque colle. On se retrouvait 1 heure à 1 heure et demie avant et on bossait la colle ensemble. Genre, on s'interrogeait, on se disait bon, et pour vérifier que tout le monde savait, genre. Et sinon, j'avais un autre groupe de travail qui était encore différent pour réviser les DS. Je révisais telle matière plus avec telle personne en fonction. Mais
Franchement, il ne faut pas hésiter à avoir plein de groupes et même plusieurs amis de tout niveau. Genre, moi, je travaille avec une fille très forte, avec des gens moins forts, et au final, c'est grave bénéfique pour tout le monde, quoi. Du coup, voilà. N'hésitez pas à travailler en groupe, même si vous êtes timide. Ça va. De toute façon, les DM, parfois, c'est en groupe. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, nous, c'est en groupe, parfois. Je ne sais pas toi, mais. Oui. Non, nous, il n'y a pas de DM en fait. J'ai pas eu de DM de ma scolarité. C'est vraiment n'importe quoi. En sup, il y avait des approfondissements facultatifs. Non, c'était obligatoire pour les deux. C'était obligatoire pour les trois premiers. Fortement recommandé pour les gens de 4 à 6. Recommandé de regarder pour les gens de 7 à 10. Et ne pas regarder pour les gens de 11 à 36. C'était vraiment ça, genre. Okay. Non, nous on avait des DM quasiment à chaque vacances et parfois pendant l'année, genre. Et moi, le DM qui m'a le plus choqué, c'est à Noël, la prof de physique, elle nous a donné un DM et sur le DM c'était marqué DM de Noël. Genre. Et le prof de maths, Bon. il avait entendu dire qu'on avait un DM de Noël et du coup, il nous a envoyé un mail avec un DM d'info et genre dessus, il avait mis trois petits points de Noël aussi. J'étais grave saoulée. Mais bon, c'était un super Noël. Le H4 chante en latin en gueulant. Ça, c'est vrai. Au concours, on voit. Les seules douches que je prends, c'est par les profs de colle. Non, non, par contre, les gens, l'hygiène, c'est important. Il faut se laver. C'est important. Non, mais je le dis. On achète un déo et du savon et parce que c'est stressant la prépa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je vais lire un peu avant de continuer dans les questions parce que j'ai pas encore ouvert la boîte à questions. Donc, je vais regarder si on a d'autres qui Okay. sont Et plus moi, je vais juste te intéressantes. dire à Théo, Eva, Guillaume et Clémentine que j'arrive bientôt, ne vous en faites pas. Ils font peur les monstres dans ton appart. Ah, oh, mais non, mais je voulais pas dire ça, je me suis trompée. Non, ok, non, bah ça en fait, tout à l'heure, j'ai dit que la première fois que j'avais dormi dans mon appart, j'avais trop peur parce qu'il y avait des monstres. Mais maintenant, ils sont plus là. Non, je peux vous raconter une histoire, mais vous ne vous foutez pas de ma gueule. Genre, un jour, j'étais toute seule dans mon appart et j'avais un paquet de gâteaux. Genre, vous voyez ce qui emballe le gâteau? Il était posé sur la table et il a volé par terre. Pas devant. Voilà, j'ai cru J'en ai sans. qu'il y avait un fantôme. Mais ouais, il est tombé par terre. Et j'étais traumatisée ce jour-là, vraiment. Anyway, alors, j'ai pas vraiment fait de césure, mais j'étais très longtemps absente pendant ma première année. Et ça a été dur de reprendre, mais au final, je m'en suis bien sortie. Ah, ça, c'est pour l'histoire des césures que quelqu'un, bah, que un admin a mis en story. Moi, perso, l'histoire de faire une césure avant la prépa, je trouve ça ridicule parce que tu perds tous tes automatismes et c'est, je pense, c'est super dur de reprendre des études comme ça, surtout la prépa. Autant y aller direct et au moins, si tu veux faire 5 demi, bah, t'as un an que t'as pas perdu, entre guillemets, avant, quoi. Je sais pas ce que t'en Il y a penses. quelqu'un qui demande si on a gardé les réseaux sociaux. Je pense qu'on veut oui, du coup. Ah bah attends, non mais attends parce que moi j'ai non mais attends parce que j'étais pas admin avant le confinement moi donc je peux te dire vraiment sans être admin, moi perso j'avais enlevé YouTube, Twitter, j'avais désinstallé ça, c'était genre YouTube je regardais que le week-end. Bon moi j'avais gardé Netflix parce qu'en mangeant je regardais une série en anglais pour progresser, mais sinon j'avais Snap mais bon j'y vais plus trop genre vraiment. Et bon Instagram, Facebook juste pour les notifications des darons. Et Instagram, par contre, ça j'avais gardé et je pense que c'est nécessaire quand même de En garder plus, des réseaux. c'est le pire Instagram en plus. Ouais, mais en même temps, genre, c'est là où moi j'ai tous mes amis et tout et j'ai besoin de parler aussi Oui, avec eux. oui, Donc oui. logique. Après cette année, je compte me mettre des temps d'écran pour rediminuer parce qu'avec le confinement, on a été tous super beaucoup sur nos tels et ça va faire bizarre de redescendre. Donc mettre des temps d'écran pour éviter d'avoir des dépassements. Mais voilà, ça va bien se passer. On est serein. Pourquoi pas Twitter? Bah parce que Twitter, en fait, déjà, ça m'énerve parce que, y a trop d'histoires et que, en fait, si tu commences à regarder Twitter, tu restes 2 heures dessus. C'est comme TikTok. C'est genre, à coup sûr, tu restes 3 heures sur le truc. D'ailleurs, je vais pas parler de TikTok parce que j'ai pas TikTok, mais ceux qui ont TikTok, je vous conseille de vous faire gaffe. C'est vrai qu'il y a un saut entre la sup et la spé. Vas-y, réponds. Un truc c'est qu'en sup, je me rappelle nous on faisait des maths pour faire des maths, genre on n'était pas en mode on passe des concours à la fin de l'année, genre de tout à l'heure on faisait des maths, on était content ou pas. Et en spé, il y a des concours à la fin de l'année, donc c'est plus dur, enfin même dans ta tête, t'es plus stressé et il y a plus de rythme. Donc ouais, il y a un saut quand même, je Ouais, bah pense. moi, je suis pas encore passée en spé, mais en tout cas, dans ce qu'on m'a raconté, on m'a dit que le rythme était plus intense et qu'il y avait vraiment l'échéance de la fin, genre la deadline à suivre, quoi. Et mais après, enfin, dans tous les cas, il faudra bosser comme en sup et de plus en plus, donc voilà.
Ne perdez pas votre motivation. Non, mais en vrai, la motivation, genre, si vous n'êtes pas motivé, ça se travaille. Genre, moi, je regarde. Ça va être délicieux. En plus, j'ai dit juste avant que j'ai désinstallé YouTube, mais je regarde des meufs qui travaillent sur YouTube. Et genre, je culpabilise de ouf et je me mets à travailler. Hein. Vraiment. Hein. Je me dis, putain, je travaille pas. Et en plus, je regarde une vidéo d'une meuf qui travaille. Du coup, bah, vas-y, je vais travailler. Mais du coup, ça marche pas si vous désinstallez YouTube comme moi, je suis censée faire pendant toute l'année. Mais là, on n'est pas l'année, donc ça va. S'intégrer dans la classe, on a parlé, donc on surligne. Gestion d'une colle, on n'a pas parlé. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe une heure de colle? Parce que moi je ne savais pas avant d'entrer, on ne savait pas comment ça se passe. Ben, en sup, vous êtes un trinôme, vous arrivez dans une salle, il y a un monsieur que vous ne connaissez pas, ou alors votre prof, des fois, mais ça dépend, des fois vous le connaissez, des fois vous ne le connaissez pas, et il vous donne un exo, chacun, et vous avez tous au tableau, et vous faites tous l'exo au tableau. Et quand vous avez fini, vous dites, monsieur, j'ai fini. Et vous dites ce que vous avez fait. Et à la fin, il vous met une note. Mais en fait, genre, c'est pas, il fait pas ça pour vous mettre une note et vous punir. Mais genre, je sais qu'en colle, à chaque fois, s'il voit que tu as travaillé, que tu donnes un peu, bah, il va donner des conseils pour mieux réussir. Et du coup, c'est plus pour t'aider que pour te punir, je pense. Genre, il y en a plein qui voient ça comme une punition en mode, ah, j'ai une colle, ça va être horrible. Alors qu'en fait, non, le but, c'est qu'à la fin, tu repars avec une note. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le mec, il t'a dit, voilà, ça, tu le fais mal, ça, tu le fais bien. Et aussi, ça te force à travailler puisque tu es là. T'as une colle, bah, t'es obligé de coder ton cours parce que t'as pas envie d'arriver devant la colle et d'être en mode je ne connais rien parce que c'est Après, très ce qui est malaisant. intéressant à dire aussi, c'est qu'en colle, donc de maths physique, surtout maths, t'as d'abord la première partie de la colle qui se passe, t'as C'est une une question de démo à cours. faire. Et vraiment, en cours, démo que tu vas apprendre par cœur, surtout bah, nous en BCBST, enfin moi je savais, on avait une liste de démos sur lesquelles on allait tomber, je crois que vous, c'est pas trop le cas, mais nous on savait qu'il fallait apprendre telle démo quoi. Et après, on a des exos, donc là, dès que tu as fini ta démo, c'est pour ça, plus tu l'apprends le mieux possible, plus tu vas passer aux exos et tu vas pouvoir monter en points. Et après, tu fais des exos jusqu'à la fin de l'heure. Pareil en physique, mais c'est plus des questions de cours, il y a moins de démos, quoi. Et nous, en bio, par contre, donc, tu as plusieurs trucs, tu as soit synthèse, donc en gros, c'est un exposé à l'oral, tu as 20 minutes pour préparer, ou alors tu as des études de doc, donc sur papier. T'as comment dire, des cartes à faire en géol et tout. Il y a plein de modalités de colle. Mais en début d'année, souvent, c'est des synthèses. Donc, voilà. Et nous, en deuxième année, ça change. On fait un truc où, genre, au lieu d'être trois à passer en même temps, il y en a un qui passe une demi-heure, genre exo, type oral, un deuxième qui passe une demi-heure, et le troisième qui note. Genre, il doit prendre en note ce qui se passe pendant la colle. Et à la fin, il met dans un classeur, il y a eu tel exo, il y a eu telle indication, il a fait ça, il a fait ça, il a trouvé, il n'a pas trouvé. Donc voilà, donc ça, en deuxième année, c'est plus, voilà, c'est ça que je dis. En première année, c'est vraiment, on apprend le cours, on fait des maths, et en deuxième année, c'est vraiment, on s'entraîne pour passer des oraux, et je trouve que ça le montre un petit peu. Ouais, et ce qui est important en colle, c'est si vous n'avez pas compris un truc, dites-le. Genre, limite, demandez un exo sur ce que vous n'avez pas compris, parce que le but de la colle, arrivez avec votre liste de questions s'il faut, mais genre, c'est de progresser pour les DS. Et à l'oral, tu peux beaucoup plus voir tes lacunes, demander, là, j'ai pas compris. Alors que bah, si genre, tu fais des exos que tu sais déjà faire, ça n'a aucun intérêt. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment vers la difficulté. Est-ce que vous n'avez pas compris? Genre, moi, je sais que ma prof de physique, là, en fin d'année, genre, avant le confinement, elle nous demandait ce qu'on voulait comme exo, mais pas dans le but genre de réussir, dans le but qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Et on disait clairement, bah, je veux ça, je veux ça. Et c'est cool parce que comme ça, tu es obligé de progresser, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vos lacunes et à vous faire corriger le plus possible. Et à vous faire aider aussi par votre trinôme, genre pas pendant la colle, enfin quoi que. Mais genre si vous avez des questions à poser et que bah, vous avez l'habitude de bosser avec votre trinôme, que ça soit sur une démo ou quoi, bah, bossez ensemble et ça sera que bénéfique de toute façon. Donc voilà. Pour les questions d'école. Et une colle, c'est une heure. Ça peut un peu dépasser. C'est très rarement moins. Et en bio, moi, j'ai déjà fait une colle de 2h30. C'était horrible. J'avais trop faim. Quel enfer. Oh non, mais ça commençait à 13h30. Et après, c'était l'heure du goûter. J'avais trop faim, je me souviens. Je suis passée en dernière. Mais dans tous les cas, même les colles qui sont super longues, surtout en bio, c'est super bénéfique parce que tu apprends plein de trucs. Et n'hésitez pas Oui. en bio à écouter les synthèses des autres et même les études de doc des autres. Écoutez tout parce que même si vous n'êtes pas tombé dessus, d'entendre quelqu'un dire un truc, tu vas dire putain, ça, je l'avais pas compris comme ça ou ah, ça, j'aurais pas pensé à le mettre. Et au final, ça peut être cool. À part si la personne dit n'importe quoi. Ok, là, on n'écoute pas. Voilà. Et il faut pas stresser pour l'école. Enfin, moi, j'étais très stressée parce que je suis quelqu'un de très stressé. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très stressée. Et du coup, je stressais beaucoup avant l'école et toute l'année, hein, vraiment. Là, je pense que ça ira un peu mieux grâce bah, justement au live. Mais il faut vraiment relativiser et se dire que c'est pour progresser, même si la note compte dans la moyenne et que ça va compter pour passer en deuxième année et tout.
Dites-vous que tu as peut-être une mauvaise infla, mais maintenant tu as compris tes erreurs et au DS, tu vas être plus motivé pour encore plus tout défoncer. Donc voilà, c'était tout pour mes calls. Je pense qu'on a fait le tour pour l'école. Il y a quelqu'un qui avait demandé, mais c'est alors c'est la personne qui a posé la question, c'était une fille qui, je sais, qui rentre en école, mais elle a dit iPad ou papier. Donc en termes de Papier. prépa, moi je réponds direct papier. Oui. Après, pour une école, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur ordi, sur iPad, donc pourquoi pas, hein. Mais moi je sais que je suis très papier, Ouais. donc voilà. Papier aussi. Et il y a quelqu'un qui me dit, préparez-vous psychologiquement aux couleurs qui blaguent sur le suicide aussi. Ben, en vrai, il y a des couleurs, il faut vous préparer. Et le but, c'est de vous descendre, genre de vous faire des petits tics pour en fait vous déstabiliser et voir si vous résistez bien au stress. Et parfois, ça peut faire un peu mal, faire bizarre. C'est pas rare les gens qui pleurent en colle, surtout en première année. Et Perso, c'est franchement, des frères les couleurs. Sont faut tous nous, cool. non, genre, nous, on se faisait vraiment parfois défoncer, mais le but, genre, c'est de rester focus et de dire, je ne vais pas pleurer devant lui parce qu'il va gagner. Et vraiment de rester à fond dans ton truc, et même s'il te lance plein de piques sur tout n'importe quoi et qu'il te traite de nul ouvertement, bah, tu l'envoies balader, quoi. Voilà. Bah, pas trop fort quand même, parce qu'on va éviter de se faire virer. Hein. qu'est-ce qu'il disait, genre, dès un couleur pour le mec. Quelqu'un demande pour les PC Et poker portables. face. Ça sert si tu. Bah, je Ça sais sert qu'il y en en a qui l'emmènent français, en hein. cours de français, mais moi je suis contre. En info, ça sert. En info, ça sert, oui. Ça sert en info, Moi, c'est tout. personnellement, mon ordi, donc dans l'année, en septembre, de septembre à mars, je ne l'ai pas allumé une seule fois. Sans vous mentir, je m'en suis jamais servi. Par contre, pendant le confinement, bah, forcément, tu en as besoin d'un. Hein, c'est bien d'en avoir un à disponibilité quand même, mais. Mais voilà, moi ça m'a servi à rien, mais il y a des gens qui prennent leur cours genre de français tout dessus. Nous, on n'a pas le droit. Enfin, j'ai jamais demandé en même temps, mais personne ne le fait. Donc voilà quoi. Tranquille. Donc ça, on a répondu. Ah oui, un truc. Le temps libre en prépa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le temps libre en prépa? Ben, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont bosser comme des animaux toute la semaine et qui vont garder leur week-end tranquille. Des gens qui vont bosser comme des animaux tout le week-end, qui vont garder des semaines tranquilles. Il y a des semaines où t'as DS, tu vas te donner. Des semaines où t'as pas DS, tu vas pas te donner. Si t'as pas envie d'avoir une école de fou, tu t'en fous. Ça se trouve, tu vas pas travailler et t'auras comme l'école que tu veux et t'auras plein de temps libre. Genre, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Enfin, tu te débrouilles, je pense. Ouais, c'est Enfin, ça. Ça dépend même vraiment parce qu'il y a des gens qui vont arriver à faire 10 heures de sport à la semaine, d'autres qui ne vont pas du tout réussir à faire de sport parce qu'ils sont trop fatigués ou qu'ils n'ont pas le temps. Et ça va vraiment dépendre des gens. Et après, bon, si tu t'organises bien et que bah, tu te dis, vas-y, là, tel créneau, je le garde pour moi, me reposer. Tel créneau, je vais quand même voir mes amis une demi-heure ou une heure parce que j'en ai besoin. C'est nécessaire aussi, quoi. Mais c'est sûr que tu vas beaucoup travailler et que les personnes que tu vas voir le plus, c'est tes profs et tes collègues de cours, quoi. Voilà. Mais tu peux avoir quand même du temps libre en prépa. Et... Après, le mieux, c'est d'optimiser son temps, justement, pour travailler le plus efficacement possible et pouvoir après faire autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a tellement une grosse quantité de cours que dans tous les cas, voilà, quoi. C'était la petite, le petit quart d'heure temps libre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il y a quelqu'un qui disait en info aussi, il y a des PC dans les salles. Et oui, moi par oui. exemple, je ne prenais jamais mon PC. Je prenais toujours, dans ma classe, tout le monde prenait des PC parce qu'ils étaient assez bien de la salle et ça allait très bien comme ça. Bon. Du coup, voilà. Est-ce qu'on peut parler du sentiment d'être nul? Comment s'en sortir? C'est une question peut-être pour vous. Vas-y Vas-y, alors, on dis-nous. t'écoute. Non, dis-nous ton avis d'abord. Je sais pas, mais de toute façon, quand on prépare, y a toujours des gens contre ton niveau, genre, enfin, à moins d'être vraiment une anomalie, le dernier, il est jamais dernier de 10 points, tu vois. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a le même niveau que toi, et du coup, vous êtes tous les deux les derniers, et vous êtes derniers ensemble. Donc, tu te sens pas nul, parce que vous travaillez ensemble, et ça va. Genre, faut juste se dire ça, faut juste se dire, ok, je suis le dernier, mais il y a des gens qui sont des prépas moins bonnes, il y a des gens qui ont pas eu de prépa, il y a forcément quelqu'un qui est moins fort que toi, donc t'es jamais plus nul, quoi. Enfin, faut pas se sentir nul, je pense, c'est pas bien. Arrêtez. Bah, en vrai, c'est compliqué, tu vois, quand t'es quelqu'un qui. Il y a beaucoup de gens qui ont par exemple des complexes d'infériorité ou quoi, qui sont toujours nuls et tout. Moi, je sais que dès que j'ai une mauvaise note ou dès que j'ai l'impression d'avoir moins bien réussi ou quoi, je me dis putain, Hélène, t'es nulle, tu vas jamais réussir, tu passeras jamais en deuxième année et tout, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Et il faut vraiment essayer de positiver, de se dire que bon, c'est peut-être t'as peut-être eu, allez, je sais pas, 8 à 7 notes là, mais la prochaine fois, bah, t'auras 12 parce que t'auras plus bossé et que ça t'a motivé.
et que tout le monde a des petites news, tout le monde a des moments où il est moins dans le truc et qu'il faut pas lâcher et que c'est normal aussi d'avoir des mauvaises notes, quoi. Donc pourquoi tu riais? C'est Nicolas, il a dit ces singes ensemble plus fort. Ça fait rire. Voilà. Ça n'existe pas ce proverbe. Du coup, c'est pour le sentiment d'être nul, je pense que c'est dur à s'en sortir et il faut apprendre à vivre avec, mais il faut aussi relativiser de ouf. C'est pour ça qu'être bien entouré, franchement, bah, c'est cool parce que si t'as des gens qui te redisent, mais non, t'es pas nul, mais non, allez au travail, on reste pas sur la défaite, bah, t'auras toujours envie de niquer le game après, quoi. Du coup, voilà. Donc ça, on a déjà parlé. Ça, on a déjà parlé. Est-ce qu'on peut parler des erreurs à éviter en prépa, que ce soit sur l'organisation, peut-être la gestion des devoirs, de ta vie et tout? Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, faut pas se dire j'ai bien réussi, du coup je suis tranquille, j'arrête de bosser. Genre, faut toujours être en mode je peux faire mieux. Mais ça, normalement, les profs, ils vous le disent. Mais si le prof vous le dit pas, bah vous pouvez toujours faire mieux, il faut toujours travailler. Genre, je sais que notre prof de maths, des fois, il a des élèves qui sont super bons et il leur dit pas pour autant c'est bon, reste chill, quoi. Au contraire, il les pousse à aller plus loin. Par exemple, vous pouvez toujours trouver des trucs à faire plus durs. Enfin, en fait, faut toujours travailler. Genre, faut pas se dire c'est bon, j'ai fini mes devoirs. Faut se dire j'ai du temps libre, je travaille. Et je pense que voilà, Oui, c'est l'erreur à pas faire, ça. c'est de reposer sur ses lauriers et se dire, hop, j'ai bien réussi au dernier DS, c'est bon, c'est chill. Parce que du coup, sinon, tu payes cher, quoi. Enfin, généralement, je Genre, pense. et même si tu penses, parce que moi, c'était beaucoup le cas, parfois je relis des exos comme ça, je dis, ouais, ça, je sais faire, c'est bon. Que Alors qu'en nenni. fait, bah non, pas du tout, en fait, je sais pas du tout le faire. Et quand je suis devant ma chaise, je suis en mode, non, en fait, je savais pas le faire. Du coup, genre, vous faites pas confiance, testez-vous en permanence, c'est super important. Et faut essayer de refaire des exercices, ça marche pas, vous regardez la correction le lendemain, vous réessayez jusqu'à ce que ça rentre, quoi. Et il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le thème du live? C'est un live back to school. Majorer dans une classe où tout le monde est fort, c'est compliqué un peu, mais on te demande pas de majorer. On te Mais demande à la fin d'intégrer ce que tu veux. Après, que tu sois dernier ou premier ou troisième ou dixième, du moment que tu arrives à avoir ce que tu veux, c'est ça l'important. Donc voilà. Donc ouais, pour les erreurs à éviter au final, c'est bah, de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais en même temps ne pas non plus se tuer à la tâche. C'est-à-dire il y a des moments où il faut se reposer, il faut dormir, il faut bien manger, il faut 8 heures de rester sommeil tous les réveillé. soirs. Non mais oui, hein, pas trop abuser sur le café parce que sinon après vous allez avoir des dents jaunes. Et voilà, genre. Un rythme de vie sain, un corps sain dans un esprit, un esprit sain dans un corps sain. Et voilà, les proverbes ce soir, ils sont géniaux. Oh là là, je sais plus parler français. Et en parlant, oh putain, je vais relancer le live parce qu'il va s'arrêter. Donc on revient tout de suite, les amis. Ah oui, Attendez ça une fait une pause. heure. À tout de suite.